Voilà, Kani, à travers tes œuvres, on te promet que tu resteras toujours parmi nous. De toutes les façons, avant la fin de cette émission, sûrement on retrouvera le clip Ikoloma, cette chanson qu'on a aussi bien accueillie dans les JVC. Il faut rappeler que voilà, l'enterrement a eu lieu le jeudi dernier, ici même à Conakry. Et voilà, Kani, tu resteras toujours dans nos cœurs. Actualité oblige également, aimables téléspectateurs. Nous allons nous concentrer sur la sensibilisation aussi. Les chiffres restent très alarmants du côté de l'ANSS, du côté de Donka. Les artistes, chaque jour, les journalistes, chaque jour, conseillent, sensibilisent sur le port de max, le lavage de main, masque, lavage de main et tout. Mais qu'est-ce qu'il en est? Un groupe de jeunes artistes autour de Djekoria Fanta, ce sont les stars confirmées, ont lancé cette chanson SOS pour vous inviter à le faire. Et depuis fort longtemps, on se demande souvent, est-ce que les populations écoutent bien les conseils? Nous avons d'ailleurs été, tout au long de cette émission, nous allons nous rendre aux États-Unis pour retrouver Madame Diallo Awabari, en Mozambique également avec Madame Ogier, l'organisatrice du Festival panafricain de Grillade. Nous irons aux États, plutôt au Canada pour retrouver Obentea ici à Conakry. Nous allons essayer de joindre aussi Azaya, tous ces artistes, pour nous dire est-ce que leurs fans écoutent leurs conseils, pour pouvoir dire qu'il est temps que nous prenions les choses en main. Il est temps vraiment que nous sachions que cette maladie existe. Il faut vraiment limiter les dégâts en respectant les mesures barrières de protection et individuelle et collective. Allez, on va suivre ce clip de Djekoria Fanta et ses filles, hein, les stars confirmées. On se retrouve juste après pour entrer en ligne avec Madame Diallo Awabari à partir de Katusha Fashion ici pour savoir qu'est-ce qui se passe du côté des États-Unis. Il va falloir
Voilà, nous allons nous rendre aux États-Unis pour retrouver Madame Diallo Awa Barry. Elle est l'organisatrice de Miss Kiné North America. L'organisation maintenant a pris un grand coup hein, avec tout cela. On va retrouver rapidement Awa. Bonjour Awa Barry. Bonjour Aya, bonjour chers téléspectateurs de l'émission Parade. Voilà, Awa Barry, vous êtes aux États-Unis, vous êtes organisatrice de spectacles et je parie que ça a pris un grand coup l'organisation de Miss Kiné North America. Ben écoutez, le virus, ce virus malheureusement est un virus qui a attaqué le monde entier. C'est une pandémie mondiale qui malheureusement va affecter tout le monde et nous tous, les promoteurs culturels, le monde médical, le monde, en fait tous les domaines en fait. Donc malheureusement on ne sait pas ce qui va arriver cette année, mais on sait que le public de Miss Kiné Amérique du Nord et du monde du spectacle et de la culture comprendra ce qui se passe. Mais est-ce que, oui ça c'est sûr, mais est-ce que en tant qu'aujourd'hui leader, vous êtes très écouté, est-ce que vous pouvez lancer un message à tous vos fans, à ceux qui achètent vos tickets, ceux qui viennent à vos spectacles? Le message que j'ai à passer c'est que les gens doivent respecter les gestes barrières. Je sais que le public de Miss Guinée est un public très compréhensif et donc tous les messages qu'on fait passer depuis là, ils écoutent et puis je suis sûre et certaine qu'ils vont respecter les consignes données de par le monde. Et en Guinée précisément, je pense que le peuple de Guinée doit suivre les consignes de l'ANSS et qu'ensemble on puisse contrôler ce virus et qu'on s'en débarrasse une fois pour toutes. Et je souhaite bonne chance à tout le monde, que Dieu protège la Guinée, le monde entier, les États-Unis d'Amérique, et que ensemble nous puissions combattre ce virus,
le plus tôt que possible. Donc, respectez les gestes barrières, portez les masques, lavez vos mains régulièrement et que Dieu bénisse le monde entier. Voilà. Merci à Wabari pour toutes ces informations. Voilà, c'est important. Et on ira retrouver sûrement Azaya. J'espère qu'il est lui aussi déjà branché. C'est important que vous conseillez surtout les Guinéens qui s'adonnent, qui se mettent vraiment, qui les distanciations sociales. Plus on prend du temps, en 2 semaines, 1 mois, on peut booster la maladie. Mais plus on dit oui, il faut qu'on sorte et tout. Si on avait commencé par ça actuellement, on serait un peu... Donc c'est important que les artistes, nous allons aller de promoteur en promoteur, d'artiste en artiste. Et après avoir, on rejoint avec la permission de l'équipe de parade de ce soir spécial sensibilisation au Covid. Nous allons retrouver Mohamed Azaya. Je vais rapidement composer son numéro. Voilà, merci de nous rejoindre, Azaya. Toujours des nouveautés. J'ai remarqué, avant qu'on ne fasse la sensibilisation, j'ai remarqué sur la toile que tu as lancé déjà 2 programmes avec tes sœurs, ta femme, maintenant leur chaîne YouTube, c'est ça? Oui, Tanti Yaya, c'est normal. C'est aussi ça, la force de la Maison Musique Sans Frontières. Et surtout quand on a 2 éminentes chanteuses avec nous qui sont pétries de talent. Et aussi un label qui vise très loin. Ça ne donne que ça. C'est normal, c'est le travail qui paye. Voilà. Et donc, Azaya, c'est le challenge de parade. J'ai demandé à Wabari de le faire tout de suite. Vous aussi, vous êtes très écoutés. Vous avez des fans, des nounous. Elles veulent partir à Dubaï, comme Madame Souma, elle a envie d'aller à Dubaï pour passer ses vacances et tout. Il y en a qui ont envie d'aller à Miami et tout. Mais est-ce que tu les conseilles de prendre soin, de respecter les mesures et tout? Je pense que tu vas parler à tes nounous maintenant. Et oui, merci Tanti Yaya. Ben voilà. Allez, mes nounous, vous savez bien que nous devons partir en Italie et à Miami, non? Vous voulez bien faire du shopping à Dubaï? Voilà. Alors, chassons ce virus. Ouais, chassons ce virus, c'est important. Stopper ce virus, le coronavirus, en respectant les gestes barrières. Voilà. Masque et lavage des mains obligatoires. Et aussi, rester chez vous pour sauver des vies. Moi, je suis sûr d'une chose, mes fans, vu toutes les sensibilisations que nos artistes et moi, nous avons effectuées sur les réseaux sociaux, je suis sûr que tous les fans de Musique Sans Frontières respectent les gestes barrières. Ils portent des masques, même là, si tu vois une de nos fans au marché Madina, de Yomou, de Conakry jusqu'à Lola, jusqu'au dernier village de la Guinée, quand tu vas les voir, tu verras qu'ils portent un masque. C'est ça, Musique Sans Frontières. J'ai confiance en nos fans. Ensemble, nous pouvons lutter contre le virus. C'est important de leur dire, voilà, les nounous de Azaya, vous avez compris le message. Merci Azaya, on termine avec toi. J'invite tous nos fans de partir s'abonner sur ces 2 nouvelles chaînes YouTube que nous avons créées pour nos 2 stars, Gelika Babintou et Ibrouniamé. Ouais. Continuez de vous abonner et je pense que vous n'allez pas rater des nouveaux tubes, des nouveaux clips qui arrivent très bientôt. Alors, moi je propose, avant de finir à l'émission Parade, de jouer le tout dernier clip de notre star, notre artiste, la luxueuse Ibrouniamé Diabaté, dont le titre est Araluna. Ramar Kamar Araluna. Ah ouais, Amask Moussouma Araluna, il nous faut un roi, il me belera Rama Araluna.
nada ulati enala sako ba fanda mosoma sa enala iduma jamanye fanta la musokunya titinyana kanya inala kanya ifala kanya fudu keberela ila moni fiya baradrafa dunya beko sako ba fanta. Hankili nyuma la tama, imado njama la porde ekwalibani nora. Besi ya njama barasawa, besi ya porde ekwalikuni mbena. Dimi barasawa, sakoba fanta, anute momo fe, sakoba fanta. Njama ilirife mama, ila barada kanyi. Siti a son kanyi, iyantili nyuwa kanyi, kabeye koli kuni ma. Ibara nyale benna, kabeye koli kuni ma. Kabe jamala dema, kitesi niye jamala denye, uhakili mama siya. Bebe jabate nana inibara, wani ajumate na jama ife. Amina tajibadena, bofanta ule manali. Eba yuma ila jamala mila, kaliluna bena jamaife. Natragana bena nenda ninala, sirikina bena jamaife. Iduma benye, memuna madamuna bena ililifena. Fanta camarade, filha de amade. Voilà, merci. On était avec Awa Barry depuis les États-Unis. Nous avons également retrouvé. On va se rendre à Montréal pour retrouver Obentea. Obentea, un artiste, je vous dis, Madame Soumanta Bey, je te jure, quand Obentea a un spectacle au Palais du Peuple, c'est deux fois le palais par soirée. Il a un beau public de Conakry à Zoa. On va l'accueillir déjà, hein, on va l'appeler. Bonjour, bonjour Obent. Bonjour à tous les téléspectateurs de la RTG. Voilà. Obentea, tu es très écouté, tu es un enfant adulé de la forêt, on t'aime bien. Obentea, est-ce que tu as vu, hein, il n'y a pas de spectacle actuellement à cause de cette pandémie. Obentea, qu'est-ce que tu en penses? Ok, à tous les fans d'Obentea, s'il vous plaît, de Conakry jusqu'à Yomou, je vous en prie, respectez les mesures sanitaires données par le gouvernement. Portez les masques, lavez-vous les mains, évitez les regroupements. Ok, je vais dire en langue. Nindanane. Voilà, c'est ça. Voilà. Nane. Coronavirus manien. Kakayewa. Kakaye wa ka meti pala ka hun lale. Ka maske ti pala ka hun lale. Ka maske pala ngon lale. Bey, sa dire ne kulu kena ti ka evite. Ka hoka ka kulu kato kena. Mesure de sécurité, distance de sécurité. Voilà. Ka respecte. Pour ne pas que ke hopa kala. Nan. Merci. Voilà, Obentea, c'est très important. Mais moi, j'aime bien ta voix. Hein. On va terminer par ta belle voix dans cette émission. Mais voilà, je compte sur toi pour cette sensibilisation, Obent. On a besoin de spectacles. Donc, tant que tes fans, c'est le challenge parade, tant que tes fans n'acceptent pas, c'est compliqué. Si mes fans me manquent,
très très fort. Mm-hmm. Et s'ils respectent les consignes données par le gouvernement, mm-hmm. j'espère que très bientôt, nous allons recommencer les activités. Ouais. Alors, je ne peux pas les laisser comme ça. Ah oui, on attend ta belle voix. Je vais donner quelque chose parce mm-hmm. que ça fait très longtemps, ils ne m'ont pas vu. Mm-hmm. Alors... Merci Aubin, merci beaucoup. Ces fans le manquent, vous voyez, Aubin Théa nous manque. On va retrouver un clip de Aubin Théa pour enchaîner, à rappeler que les artistes se mobilisent. Tout de suite, nous aurons Petit Kandia. Vous savez, lui, il passe tout son temps. Il m'a dit qu'il est en voiture, mais il faut qu'il gare maintenant parce qu'on a besoin qu'il intervienne dans cette émission, aimable téléspectateur. Allez, on va suivre le clip de Aubin Théa, un autre clip de sensibilisation. On ne se lassera jamais de vous sensibiliser. Tant que l'ANSS ne nous dira qu'il n'y a zéro cas et que tout ce qui est à l'hôpital, c'est pour des guérisons, on va continuer à en parler. Excusez-nous, mais on va vous tympaniser avec cela jusqu'à ce que tout le monde respecte les mesures sanitaires. Allez, à tout de suite. Je suis loin, Namukama, et Pino
Se garer, petit Kandia, on va le prendre aussi en direct ici pour lancer ce challenge à tous les fans de nos différents artistes, voilà. Et donc, petit Kandia me promet qu'il n'aura aucun fan à Donka, parce que lui, il dit que ses fans respectent. On va l'écouter. Bonjour, petit Kandia. Oui, bonjour. Bonjour, Aya. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. On est là. Voilà, petit Kandia, j'espère que tu vas bien. Eh bien, tu sais, hein, avec ton nouvel album qui se porte bien sur le marché, et surtout hein, ta compilation avec la Malienne que j'adore, ça a été vraiment un coup de maître. Oui, ça a été un vrai coup de maître, Dieu merci, grâce à Dieu et mes fans. L'album se consomme aujourd'hui et... Et bientôt voilà. des clips c'est surprise important. Pour vous. Petit Kandia, avant qu'on ne continue, j'ai lancé un challenge dans Parade. On va demander maintenant spécialement à l'ANSS de voir les fans des artistes qui sont à Donka. Parce qu'il faut que les artistes mobilisent leurs fans, leur disent protégez-vous. Parce que si vous aimez Petit Kandia, vous devez écouter les conseils de Petit Kandia. Donc Petit Kandia, c'est le moment. Tu nous promets au nom de tous tes fans qu'ils seront... pas à Donka comme les autres malades. Ils vont se protéger, ils vont suivre les mesures d'hygiène. On t'écoute là. Merci Aya, merci encore une fois. Et allez tous les fans, le challenge parade est lancé. La famille, depuis le début, nous avons lancé une collaboration pour sensibiliser, protégez-vous et protégeons vos proches. Ouais, Aya, en tout cas, moi, je suis sûr que les fans de Petit Kandia se protègent. Ah bon, hein? Et ça, c'est sans démagogie. Mes fans se protègent très, très bien. Okay. Donc, je sais que mes fans n'iront pas à l'hôpital. Ouais. Surtout dans le cas, non, ils n'iront pas là-bas. Ok, on vérifiera tout ça. Donc, les fans de Petit Kandia, il dit qu'il promet que vous l'écoutez, vous vous protégez. Ah ouais, il n'y a pas de problème. Allez, Petit Kandia. Voilà, on va terminer par une collaboration, c'est vrai. Ils ont fait une belle collaboration pour la lutte contre Covid. On va vous proposer cela. Et moi, franchement, je ne vais pas quitter Petit Kandia sans ce titre avec Fatih. L'équipe Parade, s'il vous plaît, mettez ça pour ses fans. Comme il promet que ses fans vont se protéger. Le challenge continue. Il paraît que Takana, Alice aussi nous attend. Alice est un grand promoteur. On le connaît avec Nord-Sud Communication de Al Soare, avec le match du rire, hein, toutes les éditions. On va retrouver Alice. Bonjour Alice, comment tu vas? Bonjour Aya. Oui, Alice, le monde des spectacles est complètement... on a parlé avec Awabari des États-Unis, avec Michou hein, du côté de la France, et Obentea et tout. Le monde de la culture des spectacles est vraiment bloqué, Alice. Je tiens déjà à lancer un appel à l'ensemble de nos sponsors, de nos partenaires, également aussi au public qui a longtemps annulé tous les concepts que nous mettons en valeur, tels que le match du rire. Ah, donc c'est important de conseiller tes fans, surtout ceux qui achètent vos tickets. Voilà, s'ils veulent revenir dans les spectacles, il faut qu'ils se protègent. La réalité actuelle, c'est l'existence de cette pandémie qui n'est autre que le coronavirus. C'est vrai, c'est une réalité. Pour qu'on puisse se retrouver en salle ou encore autour du podium, accepter et respecter les gestes barrières. Et une fois que cela sera respecté, on aura toute la chance de se retourner encore dans les différentes salles pour égayer comme nous savons le faire.
Merci beaucoup Alice, merci. Voilà, on va avec ces deux clips, j'étais très pressée. Petit Kanja a tellement suivi, il paraît, Younoussa Traoré m'annonce que Takana Zion est déjà prêt, que nous pouvons aller également au Mozambique pour retrouver Awa Ogie du festival. Donc les deux vont attendre. On attend aussi le jeune Saïfon d'ici la fin de cette émission. Le cas contraire, on l'aura la semaine prochaine avec Sorel pour la suite de ce challenge avec les artistes dans Parade qui doivent nous promettre que leurs fans ne seront jamais parmi les malades. C'est ce challenge que nous lançons et on espère que les fans vont bien les écouter. Allez, on met ces deux clips de Petit Kanja avec Fatih et leur collaboration avec les grands artistes. Et on revient pour rapidement prendre Awa Ogie du côté du Mozambique et surtout Takana Zion qui nous attend à Koya.
Voilà, je suis religieusement habillée par Madame Souma Tabé, à Katusha Fashion, à Baya fait à la main, spécialement pour moi ce soir. Voilà, une commande spéciale avec tout cet arsenal. Je suis religieusement vraiment à l'aise. Voilà, c'est important. Mon masque et tout m'attendent. Je ferai ma démonstration, lavage de main. Dans quelques instants. Eh bien, elle nous attend. Excuse-moi. Bonsoir, Awa, depuis Maputo. Awa Ogie, comment ça va? Bonjour, Aya. Bonjour à tous les téléspectateurs de l'émission Parade. Voilà, Awa, vous êtes l'organisatrice du festival, pour ceux qui ne la connaissent pas, du festival panafricain de Grillade. On partait sur la 4e édition, je pense, et ça avait été rejeté à cause de cette pandémie. Awa, vraiment, on est tous sous le choc. Effectivement, Aya, c'est un très mauvais début d'année. Comme tu le sais, le Festival panafricain des Grillades est l'événement phare de l'agence UNCAM. Il devait avoir lieu les 10, 11 et 12 avril. Malheureusement, dû à la crise sanitaire mondiale qui prévaut, on a dû reporter l'événement à une date ultérieure. Je ne vais pas te cacher qu'on est très affectés et UNCAM n'est pas la seule dans cette situation. Il y a plusieurs autres agences d'événementiel qui sont impactées aussi et qui étaient censées organiser à la même période que nous. Voilà. Et donc, vous avez du monde derrière, vous drainez du monde, vous avez des fans, que ce soit du côté de la cuisine, parce que vous travaillez avec les cuisiniers, vous travaillez avec les grandes vedettes. Et donc, c'est important que vous leur lancez un message, surtout de protection. Aya, ces gens sont affectés de la même manière que l'agence UNCAM, parce que depuis 5 ans, on se retrouve à la même période pour célébrer la gastronomie et la culture africaine. J'espère juste que le festival aura lieu dès que la pandémie prendra fin et qu'on sera à nouveau autorisé à nous regrouper. Entre-temps, je prie pour chacun d'entre eux pour qu'ils soient à l'abri de ce virus. Et je leur demande, je les prie de respecter les mesures barrières, port du masque, se laver les mains régulièrement et la distanciation sociale. Et pour qu'on se retrouve très, très, très bientôt en bonne santé pour la 5e édition du Festival Panafricain.
Voilà, j'aime bien ce sourire, il y a de l'espoir. Elle dit, il faut qu'on se protège pour se retrouver très très bientôt pour cela. Merci Awa. Merci beaucoup Aya. Permets-moi de profiter de ton micro pour saluer mon équipe qui avait mis tout en œuvre pour que la 5e édition du festival panafricain des Riyad à Conakry soit une réussite. Je vous souhaite bon ramadan. Et prenez soin de vous. Voilà. C'est promis, on prend soin de nous, c'est important. Voilà, mesures barrières et tout. Et donc, il paraît qu'il est. Ah ouais, merci, on te laisse. Parce que Takana est très, très dans l'ambiance. Là, il est prêt du côté de Koya. Vous voyez, on quitte directement Maputo pour nous rendre à Koya, juste à côté, pour retrouver Takana Zion. Attends, je vais rapidement composer le numéro de Takana. Il est en direct. Bonjour, comment ça va? Bonjour, Aya. Oui, on est là, on respire de l'air pur et puis on est en train de faire des sons. Ah, ça c'est sûr. Allez, le challenge est lancé. Yes, allez les fans, c'est parti pour le challenge Parade. Sin, Yaman, protégez-vous et protégez votre entourage. Yes, le corona ne doit pas passer par nous. Aya, mes fans sont prudents. Jaga ilan protect. Sin? Yes, aye. Corona, corona, inamema corona. Vaccine yira inamana sorona. Birinto gahugi yara yandi boroma. Corona, corona, inamema corona. Vaccine yira inamana sorona. Birinto gahugi yara yandi boroma, boroma. Yes, I merci Takana, c'est simple. Takana pense que ses fans, c'est lui qui a dit hein, qu'il promet que ses fans se protègent. Si vous aimez Takana, vous aimez Azaya, vous aimez Petit Kandia, vous avez intérêt à vous protéger. C'est important. Merci à tous ces artistes qui participent et ces promoteurs en direct avec nous. Donc on part, on suit le clip de Takana Zion. Merci Takana. Et on espère d'ici là, avec la complicité de l'équipe technique, rentrer en contact avec Saïfon. Allez, on met ces clips et on se retrouve juste après. Yaman, Barajima, Kananofia, Kosiamato. Hey, yeah. Capia singing preto nyarda Ntamena gajabu irao Hei ni rafanei kira moli pirina Yakozi bariko beso neisiga Ntamfami fema feu Jambara matedegera jamba Mfindi supasarna Dimedega nuntengira Mafafindi sarna Yakozi fefe Hei buno manto de Ina maoni fei more biri mai muno manto de kiara Bar mai singe nan mara fani kana Takana go makolo aminde makolo Mashugi go makolo aminde makolo Mangana go makolo aminde makolo Atawiya makolo adiksin makolo Yakosi na wafe, ina wafe, ina wafe. Iyongo ma ino manzana kini kini te. Marati akolunde ibonye korogo. Inu amantoro frenye, e igangi giteke. Yakosi alabara sambe funa. Ina mfemfe inu kumanjantoro. Imanu udada igilira. Ema mangana go, mangana mine. Takana go. Makolo, aminde, makolo, mashugigo, makolo, atawiya, makolo, takoya, makolo, mbadera, makolo. Kana, itana manji marafai kana, itana lalandea kana, itana majiki kana.
no ma la dey rasano la dey ra na se fera ibare ya tinya ku ra yu le falambe imam fam bonye jigi teke takana go eh makolo aminde eh makolo masugi go eh makolo atawiya eh makolo kasa eh makolo ya tora del sol al masara di anu gira mundu nara. Rester à la maison en famille n'a jamais été aussi agréable. Jusqu'au 27 mai, Orange vous accompagne avec sa Homebox haut débit 4G à 990 000 francs guinéens au lieu de 1 300 000 francs guinéens et 15 gigaoctets offerts pour continuer à vous divertir à la maison. Orange. Voilà, c'est fini pour ce soir, aimables téléspectateurs. Nous n'avons pas pu avoir Seyfon, mais la semaine prochaine, le challenge continue. Tous les grands artistes sont invités à participer, à mobiliser, surtout à promettre que le virus ne passera pas par leurs fans, c'est important. Et donc, voilà, c'est la fin de cette émission, aimables téléspectateurs. En attendant, le conseil reste toujours le même. Le port de masque obligatoire et bien fait surtout. Il faut savoir bien porter, voilà, attacher. On ne se lassera pas de le dire, c'est important. Voilà, bien attaché, je vais revoir. Et merci surtout à Nana Coiffure avec la petite amie qui m'a assuré aujourd'hui la coiffure. Voilà, c'est la démonstration bien attachée, c'est important. Merci à tout le personnel de Katusha Fashion, Madame Souma, que je vais voilà, retrouver dans quelques instants. Voilà, bien attachée, c'est bien mis comme ça. Voilà, c'est important. Maintenant que je ne serai plus seule, je dois aller en public sortir. Je ne suis plus seulement à Katusha Fashion, donc il faut bien se protéger. Voilà, c'est important. Voilà. N'est-ce pas bien beau comme ça? J'aurais pu retirer. Voilà, on va revoir ça. Je retire bien mon. Voilà, bien protégé comme ça. On peut partir où on veut, sans problème. Et t'es sûr, avec le lavage de main, le désinfectant, c'est important. Allez, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. On vous souhaite une excellente soirée, où que vous soyez. Toute l'équipe de Parade vous sensibilise davantage. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Prenez soin de vous, prenez soin des personnes que vous aimez. C'est très important. Allez, au revoir et à très bientôt pour une nouvelle aventure au compte de Colomatin et de Parade. Allez, au revoir. Merci à toute l'équipe. On range les caméras et à très bientôt.